merci pour ta présence. Merci pour ce temps souverain, ce temps béni, ce temps divin. Je prie donc au Père que tu m'accordes la capacité, celle qui est de toi, celle qui est d'en haut, Éternel, afin que je sois à même d'enseigner, Éternel, avec exactitude, droiture, profondeur et révélation ta pensée au nom suprême de Jésus. Et que même dans la douceur de mon langage, la puissance éternelle de la vérité soit à l'œuvre pour briser les chaînes de la captivité, renverser les murs de l'incrédulité, rétablir les fondements de la vérité au nom suprême de Jésus, afin, oh Dieu, que nous puissions migrer, éternel, d'un territoire à un autre, afin que plus que jamais ton nom en nous et par nous soit glorifié au milieu de nos concitoyens et contemporains. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen trois fois. Amen. 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 Tu peux t'asseoir dans sa souveraine présence. Assois-toi royalement. Amen. Dis après moi, je règne dans la vie. Amen. Il ne faut jamais l'oublier. Alors, comme j'ai promis, nous allons continuer notre série sur rendre possible l'impossible par la foi. Rendre possible l'impossible par la foi. Nous allons rester dessus jusqu'à dimanche. Luc 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Et nous avons dit, à titre de rappel, ces quelques minutes qui suivent, que le mot impossible est du vocable des humains et non de Dieu. Parce que Dieu ne connaît pas ce mot impossible. C'est un mot humain. Donc, dans la nature divine, dans le système de pensée de Dieu, dans la perception qu'il a de la vie, le mot impossible n'existe pas. Même dans son imaginaire. Parce que quand on parle de Dieu, on parle de facto de trois attributs majeurs, l'omniprésence, l'omniscience et l'omnipotence. Cette capacité que Dieu a, lui seul, capable justement de par son existence en tant qu'être souverain, de faire tout ce qu'il veut faire. Il peut faire tout ce qu'il veut faire, tout ce qu'il dit qu'il va faire, et tout ce pourquoi nous le sollicitons afin qu'il agisse. Donc il est capable d'agir. Rien ne lui est impossible. Donc ça peut aussi dire que si certaines personnes parmi nous continuons de faire face à certaines impossibilités, c'est parce que nous n'avons pas sollicité celui qui est capable de réduire au ridicule le mot impossible. Je me rappelle dans ma jeunesse, dans la foi, alors que le Saint-Esprit m'enseignait ces choses qu'il me redemande d'enseigner en cette saison, j'ai vécu certains événements qui ont changé radicalement ma vie. Premièrement, je suis allé en Sierra Leone et j'enseignais sur la foi. Parce qu'on avait demandé à tous les missionnaires d'avoir un thème et de le présenter à la congrégation. Donc ce jour, je devais enseigner, je priais, Dieu m'a dit, tu parleras de la foi. Et quand j'ai terminé mon discours, devant une foule un peu plus nombreuse que celle qu'on a aujourd'hui, cette nuit, il y a une dame qui était assise parmi les hommes de Dieu, c'était une femme de Dieu, qui s'est levée et a dit, donc, ok, si c'est donc vrai ce que tu dis, si donc tu dis que la foi est capable de faire toutes choses, eh bien, voici un fou qui est dans la salle. Peux-tu prier pour lui? Alors, vous savez, il y a des gens, vous prêchez l'évangile, ils se sentent mal à l'aise. Vous prêchez le message de vérité, ils ont l'impression que vous parlez d'eux. Je ne la connaissais pas. Et donc, elle a amené le fou devant la salle et je vous dis, j'étais jeune
à cette époque, je pense que je devais avoir 26 ans. Un jeune garçon. Et dont le fou est venu devant moi, on l'a amené devant. Et c'était en Sierra Leone, on parle anglais en Sierra Leone. Donc le fou était en face de moi et je regarde le fou. Il était véritablement fou, vous avez le fou avec les dreads, comme même les cheveux sont fous. Donc l'apparence, vous voyez, vous savez que là, c'est pas du jeu. Et donc, pendant que le fou avançait, j'étais saisi de crainte à l'intérieur de mon âme. Et j'ai dit à Dieu, c'est toi qui m'as demandé de prêcher ce message. Alors je prierai pour le fou. Si ça ne marche pas, je n'aurai pas honte du tout. Parce que ce n'est pas ma parole, c'est ta parole. Alors la force de Dieu est remontée en moi. Et le fou a avancé et j'ai avancé vers le fou. On était donc face à face au devant de la foule. Et là j'entends quand j'avance vers le fou une voix qui me dit, tu ne prieras pas pour le fou, tu prendras autorité sur l'esprit de folie. Alors le Saint-Esprit était précis. Je me suis tenu devant lui, j'ai dit, esprit de folie, sors de ce corps au nom suprême de Jésus. Et apparemment, rien ne s'était passé. J'ai dit, Dieu, je fais quoi? Le Seigneur me dit, maintenant, ordonne à cet homme de recevoir Jésus dans sa vie comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel. Et je dis, maintenant, fais cette prière. Seigneur Jésus, il y répète, jusque-là, je ne réalise pas et nous ne réalisons pas ce qui s'est passé. Il répète phrase après phrase. Alors les Américains arrivent après la prière, qui étaient parmi nous en tant que missionnaires, parce que c'était une école américaine, qui viennent avec les photos pour filmer la scène. Si vous connaissez les Américains, ils aiment immortaliser tous les événements. Ce n'est pas pour rien que c'est eux qui ont inventé Facebook et Instagram. Ils aiment tellement. Voyez-vous donc. Et donc, ils viennent avec la parole. Paf. Et puis, cet homme qui est fou, quelque temps avant, met ses deux mains de la sorte et dit, s'il vous plaît, ne me filmez pas dans cet état. Ne me prenez pas des photos en cet état. Permettez que je puisse me laver, me changer et après vous me ferez des photos. Imaginez la salle. Wow! Je suis en train de dire qu'il y aura des wow dans ta destinée de ce que Jésus va faire. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alors, qu'est-ce que ce témoignage me donne de te dire? Simplement que plus grand est le problème, alors plus grande sera la gloire de Dieu qui éclatera quand Dieu interviendra. Ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. Alléluia. Donc notre Dieu est un Dieu qui peut tout. Rien ne lui est impossible. Le drame, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu viennent à l'église, naissent de nouveau et ne prennent pas le temps d'aller à la découverte de leur Dieu et Père. Ils ne le connaissent pas. Et c'est pourquoi Dieu va donc permettre, j'écoute bien le mot permettre, ou même du moins initier aussi, le fait qu'après l'avoir rencontré, tu passes à ce que nous appelions jadis l'école de l'esprit, qui n'est pas l'école biblique, qui n'est pas l'école séculière, mais qui est une école dans laquelle le Saint-Esprit te fait passer, avec pour seul but de t'amener à découvrir qui est celui qui t'a appelé, ou celui qui t'a sauvé. Ça, c'est l'école de Dieu. Et là, c'est ainsi qu'Abraham, ayant rencontré notre père, quand Dieu lui a dit, quitte ton pays, t'appartient à la maison de ton père, vas-y dans le pays que je te montrerai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction, et toutes les nations de la terre seront bénies après toi. Abraham a dû passer par l'école de Dieu. Pour raccourcir cette histoire, c'est 25 ans après ces paroles que Abraham a vu la naissance de son fils Isaac. Alors, je vous pose une question. Est-ce que Dieu ne pouvait pas donner un enfant à Abraham le lendemain de la maison, aujourd'hui de la maison? Est-ce qu'il ne pouvait pas? Est-ce qu'Abraham ne pouvait pas avoir un enfant un an après? Pourquoi est-ce que Dieu attend 25 ans plus tard? Parce qu'on ne peut pas être père sans expérience. Ce qui fait de ton père, ce sont tes lourdes expériences dans le monde spirituel.
Quand on n'a pas encore de vécu avec l'esprit, on est encore un enfant. Notez-le. On n'est pas peur parce qu'on a une église. On n'est pas peur parce qu'on est établi pasteur, parce qu'on est apôtre. Non, on perd. Dans le monde spirituel, est quelqu'un qui a vécu des expériences avec Dieu. Ce n'est pas l'âge. C'est la densité de ta relation. Regardons donc comment est-ce que l'apôtre Paul va décrypter ce vécu historique et ô combien puissant et divin d'Abraham avec Dieu. Et nous en ressortirons 12 pensées ou 12 axes de réflexion profondes qui vont permettre d'éradiquer. Ça sera comme la gomme de l'esprit pour effacer de ton conscient et de ton subconscient le mot « impossible ». C'est ce qui va se passer. Regardons Romains 4, versets 16 à 21. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père, à tous, selon qu'il est écrit. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne détourna point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et donc, les 12 pensées profondes ou réflexions, d'accord, prophétiques, vous permettant d'éradiquer de votre concept humain l'appréhension par ce mot hideux, impossible, d'accord, étaient les suivantes. Premier axe, c'était un. Les héritiers le sont par la foi, on ne reviendra pas dessus. D'ailleurs, bien entendu, les messages sont disponibles. De deux, on a bien dit que les héritiers le sont par la foi. Ça veut simplement dire que tout ce que Dieu vous promet dans la vie, vous avez besoin de foi pour pouvoir l'obtenir. On n'hérite pas dans le royaume des cieux sans la foi. Juste pour rappel. De deux, Dieu donne la vie aux morts. Nous avons vu cette capacité extraordinaire qu'a Dieu de donner la vie aux morts. Et j'ai fait une déclaration tonitruante, forte de sens par l'esprit. Laisse Satan jouer son rôle dans ta vie. Parce que le rôle de Satan dans ta vie a une dimension prophétique. Et ta vie n'aura plus la saveur qu'elle doit avoir si Satan n'est pas là. Laisse lui jouer son rôle. Il dresse la table en face de mes adversaires. Plus mes adversaires sont nombreux, plus la table est grande. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Imaginez que je vais dresser la table ici de ce côté et que ce sont mes adversaires. Quelle sera la longueur de ma table? Elle sera justement la longueur des adversaires que j'ai. Et si tout s'est arrangé, tout le monde là sont mes adversaires, quelle sera la longueur de la table? Jusqu'à l'autre côté parce que c'est en face d'eux. Donc souvent, justement, tes adversaires sont nombreux parce que ta table doit être grande. Donc laisse Satan et ses agents jouer leur rôle. Trois, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et là, je voudrais qu'on y revienne parce que j'ai promis qu'on va revenir. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Cela veut dire, voyez-vous, que Dieu ne part pas de l'existant pour travailler. Non, il part de l'inexistant. Et si vous avez compris cette clé, votre vie va fleurir. Votre vie va s'embellir et s'enrichir. Dieu ne part pas de l'existant, mais de l'inexistant. Et non, ce n'est pas parce que quelque chose n'existe pas que cela n'existe pas. Non, non, et encore non. Et même nous-mêmes, nous sommes venus de l'inexistant vers l'existant.
Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. La vie avec Dieu se vit de l'intérieur vers l'extérieur. Donc tout part de la foi. Si encore, amen. Et c'est pourquoi il est impérieux pour chacun d'entre nous, pas d'assimiler mentalement, mais plutôt spirituellement par révélation, que dans le royaume des cieux, la matière première s'appelle la parole de Dieu. La matière première s'appelle la parole de Dieu. Un homme ou une femme qui a la parole de Dieu ne peut pas prétendre être pauvre. C'est impossible. La pauvreté n'existe pas quand il y a connaissance de la parole de Dieu. Ta manière de te taire m'embête. Écoute-moi très bien. Dieu part, voyez-vous, de l'inexistant vers l'existant. Donc, que ce soit ton mariage, que ce soit tes entreprises, que ce soit tes maisons, que ce soit tes voitures, que ce soit ta santé, ça part de l'inexistant vers l'existant. C'est pourquoi il est important pour toi de comprendre que ta vie n'est pas une vie qui part, qui nous ne marchons pas selon la vue, non, mais par la foi. C'est important. Amen. Très important. Très, très important. Regardons comment est-ce que Dieu a travaillé. Jean 1, verset 1 à 3. Au commencement était là. Oh, ben si vous êtes là avec moi ou pas. Au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La Bible dit, au commencement était la parole. Ça veut dire que la parole a été la matière première. C'est elle qui était à la base de tout ce qui a été fait. Et la Bible dit, rien de ce qui n'a été fait sans elle. Donc il n'y a pas un élément autre que Dieu a utilisé pour travailler. Et Dieu n'a pas changé sa manière de faire. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a utilisé la parole hier, il utilisera la parole aujourd'hui et va l'utiliser éternellement. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est très important. 2 Corinthiens 4, verset 18. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Alors je vais te dire une chose, note-le, et les sorciers auront peur de toi. Le monde visible n'est pas le seul monde qui existe. Note-le, le monde visible n'est pas le seul monde qui existe. Ça veut dire aussi que nous devons faire très attention parce que les réalités ne sont pas toujours la vérité. On aura le temps pendant cet enseignement, je reviendrai demain là-dessus. Tes oreilles peuvent te tromper, tes yeux peuvent te mentir, tes mains peuvent te tromper, ta bouche, ça peut te mentir. Amen. Tes cinq sens ne sont pas trop fiables. Tout ce qui est du ressort du naturel, du monde physique, que tes cinq sens peuvent appréhender, ne sont pas toujours la vérité. Amen. Alléluia. Donc, nous devons aussi le savoir. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors si Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, toi aussi, tu dois apprendre à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Tu ne peux pas moi me dire, je veux avoir une grande carrière et ne pas appeler ta carrière. Tu ne peux pas me dire, je veux être riche et ne pas appeler l'argent. Dans le monde spirituel, c'est ta parole qui donne naissance. Dans le monde physique, on accouche par le vagin. Dans le monde spirituel, on accouche par la bouche. Donc, ne laissez pas le gros ventre aux femmes. Car dans le monde spirituel, même les hommes accouchent. Ta manière de dire amen m'embête. Que quelqu'un dise je suis enceinte. Déclare-le encore. Encore. Comment je reconnais que quelqu'un est enceinte dans le monde spirituel? C'est ce qui sort de ta bouche. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Il y a des gens qui sont enceintes de la pauvreté et ils parlent en langage de pauvre. Il y a des gens qui sont enceintes de la richesse et ils parlent en langage de riche. En fait, je vais vous dire la vérité. Ce de quoi tu es enceinte sera manifeste par tes lèvres. Ce que tu vas déclarer, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Romains 10, verset 9 à 10, je vous montre quelque chose de fort. Alors, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, on confesse de la bouche et on croit. On confesse de la bouche et on croit. Tu seras. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Verset 10, voyez-vous, quiconque croit en lui ne sera point. Donc, en d'autres termes, Dieu dit, quel que soit le problème que tu traverses, il n'y a pas de confusion dans la foi. Je ne peux pas être confus tant que j'ai cru en lui. Tu peux être confus par le rapport des médecins, mais jamais confus par le rapport de la Bible. Tu peux être confus par le rapport des banquiers, mais jamais confus par le rapport de la parole de Dieu à ton égard. Ce qui nous plonge dans la confusion, c'est la confiance que nous plaçons au rapport humain. Ce qui te donne la stabilité, le repos, la quiétude, c'est le rapport écrit dans la parole à ton égard. C'est ce que Dieu dit. Et donc dans l'ordre, frère, dans l'ordre spirituel, je ne parle pas pour croire. Après, je crois et je parle. Dis après moi, je crois et je parle. Encore, je crois et je parle. Encore, je crois et je parle. Ça, c'est un exercice que vous devez beaucoup faire cette année. Parce qu'il n'y a pas de métamorphose sans proclamation. Je crois et je parle. Maintenant, si ton cœur est tellement têtu au point où tu parles de l'intellect, continue de parler jusqu'à ce que la parole fracasse et pénètre dans ton cœur. Souvent, il peut t'arriver de dire des choses auxquelles tu ne crois pas, mais dis-les toujours. Jusqu'à ce qu'un jour, en dormant, la parole entre en toi. Tu as tellement parlé, que tu finis par croire toi-même à ce que tu as dit. Sois ton propre prédicateur, ta propre prédicatrice. Répète la chose jusqu'à ce qu'elle soit en toi. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amen. Dis encore amen. C'est pourquoi cette génération de WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook est une génération en danger. Pourquoi est-ce une génération en danger? Parce que ces instruments de la technologie moderne volent notre temps de consécration personnelle. Est-ce que vous savez que le temps de prière dans la chambre n'est pas suffisant pour faire de l'impact? Sinon l'apôtre Paul n'aurait pas dit prier sans cesse. S'il a dit prier sans cesse, ça veut dire qu'on doit prier hors de la chambre. Et que la prière ne peut jamais s'arrêter dans la chambre. Et que si tu es sorti de la chambre et que tu as prié pendant une heure, et que pendant 23 heures du reste du temps tu es dans Facebook, tu as annulé tout ce que tu as fait dans la chambre. La question que je te pose c'est, je suis très sérieux, la question que je te pose c'est, combien de temps dans la journée tu crois en ton avenir? Pendant combien de temps dans la journée tu crois en tes rêves? Pendant combien de temps? Pendant combien de temps tu peux me dire que tu arrivais, peut-être tu étais en train de conduire, et puis énervé contre ton futur, tu as garé. C'était pour feu rouge, mais tu as garé brutalement. Tu t'es mis dans le côté, tu as commencé à parler sur tes enfants, commencé à déclarer sur ta fille, commencé à parler sur ton futur, commencé à annoncer sur tes affaires. Ça, c'est la vraie foi. Ça, c'est la vraie foi. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas dans la foi. Il faut le faire. Enfin, il faut le faire. C'est sérieux. La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Qu'est-ce que tu appelles? Abraham, notre père, a appelé. Toi, tu appelles quoi? Et vous êtes là. Et on voit des gens, aujourd'hui, ils ont des langages légers, pervers, tordus, irrespectueux. Et même dans l'écrit, ce n'est rien. Vous êtes en train de vous égarer. Même écrire une lettre, tu ne peux pas. Et tu as une licence. Demande d'emploi. Cher directeur général, je viens auprès de votre haute bienveillance. Là déjà, il y a 7 fautes. Votre haute bienveillance. C'est fait haute avec H-O-T-E. Parce que tu as passé tout ton temps à abréger par SMS. Au lieu de savoir que tu ne sais pas le mot, tu as fait l'abréviation sur SMS pour passer à côté de la grammaire. Il n'y a pas d'abréviation à la demande d'emploi. Donc tu es important. Il est important pour toi de comprendre que les réalités de la vie vont te rattraper. Il faut faire attention. Le royaume de Dieu est pensé. Et seules les violences n'en parlent.
La foi appelle les choses qui ne sont pas. Elle appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je n'ai jamais vu Dieu utiliser quelqu'un qui ne s'est pas mis à part. Et c'est ça qui tue certains. Même jusqu'au pasteur. C'est ça qui tue certaines personnes. Trop de légèreté. Mais non, c'est incroyable. Ta destinée se joue par tes déclarations. Ah ouais? Ta destinée se joue par tes déclarations. Cette maison, on l'a eu en programmant. Il y a des gens parmi vous, vous êtes venus ici dans cette église, vous ne vouliez jamais venir chez Wafou. Mais les anges ont dit, allez, lève-toi, tu vas. Tu fais partie des personnes qu'on avait prédestinées pour l'église. Tu ne peux pas aller ailleurs. Même si tu pars ailleurs, je te rappelle. Il y a des gens qui fuient prophétiquement, il y a des gens qui sont assis là prophétiquement. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. Ah ouais, la vie c'est la violence. Amen. Parce que vous êtes liés dans la prière spirituellement. Il faut appeler. Il faut appeler par la prière. Et tu vas te rendre compte que quand tu vas commencer à parler, quand tu vas commencer à déclarer, ta vie va passer à un autre palier. Ouais. À un autre palier. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. On va revenir là-dessus. Parce que ça, c'est trop important. Vous allez voir même le changement du nom d'Abraham. Abraham en Abraham. Abraham veut dire père béni. Abraham, père d'une multitude. Comment Dieu change ton nom alors que la réalité n'a pas encore changé? Tu t'appelles Abraham. Dieu dit, hey, change-moi ton nom. Père béni. Béni comment? Il ne faut pas rester dans le l'abstrait. Tu es béni. Béni en quoi? Ah, Dieu m'a béni. Il t'a béni en quoi? Si je mets ma main sur ta main, je dis, je te bénis. Et que je laisse, attrape ma main. Tu dis, pasteur, continue. Tu me bénis comment? La bénédiction doit être spécifique. Amen. Je dois te bénir. J'ai une longue vie. Je te bénis, reçois la sagesse. Je te bénis, reçois la protection. Je te bénis. Elle doit être précise. Abraham s'appelle Père béni, imprécis et religieux. Tu es béni en quoi? Il faut de la précision. Abraham, Dieu dit, on va changer le nom, on t'appellera Abraham. Père d'une multitude. Donc quand Abraham s'appelle Père d'une multitude, imaginez Abraham au supermarché. Père d'une multitude, les gens se voyaient dire, vraiment, pas, je comprends pas. Le gars, vous avez dit, il est fou. Il n'a pas d'enfant. Il sait que le gars, ce n'est pas son enfant. Hein. Ce n'est pas son enfant. Il y a des gens, c'est pas, tous les gens qui sont en train de dire, ce n'est pas son enfant. Hein. Mais attends, mais Abraham s'appelle père d'une multitude. Mais il a confessé de déclarer. Vous vous rendez compte? Combien d'années de déclaration Dieu change? Et Dieu donne aux voisins d'Abraham, aux amis d'Abraham, de participer à la confession. C'est-à-dire quand le voisin dit, hey « Hé Abraham !» Il est en train de déclarer, hey, « Hé, père d'une multitude !» Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je touchais 25 000 francs CFA, je divisais mon salaire par deux, je partageais 12 500 et j'ai demandé à tous mes collègues de m'appeler Raoul l'homme prospère. Donc quand je venais, on disait l'homme prospère, avec mon pantalon qui faisait « waka waka ». On dit « l'homme prospère ». Mais c'est dans ma tête que ça s'est passé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Je me rappelle, un ami appelé Franck, il se moquait de moi. Homme prospère, d'autres riaient en disant homme. Mais il disait quand même, parce que tu as reçu mon billet de 500, tu dois dire homme prospère. Ah ouais. Ils ont dit. Et aujourd'hui, quand ils me regardent à la télé, c'est un d'entre eux qui a les femmes. Et le gars là, non, c'était terrible. Est-ce que tu sais que c'est mon camarade? Arrête de conneries. On était dans le cas de l'école publique ensemble. On travaillait ensemble dans le même bureau. C'est pas vrai. Le gars, je vois à la télé là. Non. Jamais. Et qui peut marcher à côté de quelqu'un comme toi? La déclaration change même la couleur de ta peau. La déclaration métamorphose ton histoire. La déclaration change ton statut. La déclaration transforme ta vie. Continue d'appeler. Continue de déclarer. Continue d'affirmer. Je te garantis. Je te garantis. Appelle. Les choses qui ne sont pas comme celles étaient. Est-ce que tu sais que même si ton enfant, quel que soit le dossier que tu as, que tu continues de parler, l'eau là, la goutte d'eau, vous laissez tomber la goutte d'eau, la même goutte d'eau sur le même endroit sur un rocher. Pendant longtemps, vous savez que le rocher se brise. Pourquoi? La consistance. Tiens, chaque jour vous lâchez, chaque jour vous déclarez,
Chaque jour, vous déclarez. 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 Chaque jour, vous appelez. Chaque jour, vous appelez. Chaque jour, vous déclarez. Chaque jour, vous déclarez. Et un jour, je n'ai pas dit que tu ne vas pas être fâché. Un jour, toi-même, c'est tellement moqué de toi. Tu regardes le miroir. Tu pleures, mais tu déclares. Tu ne permets pas à tes pleurs d'arrêter tes déclarations. Tu déclares. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu appelles. La foi appelle les choses qui ne sont pas. Comme si elles étaient. Arrêtez vos affaires d'émotions. Évitez-moi. Tu parles à Dieu, pitié de moi. Quand tu parles à ton gars, chérie, allô. Ah ah, mais il faut parler à Dieu correctement, s'il te plaît. Il ne faut pas entrer dans ces choses-là. Amen, Dieu, à ton père, il faut parler à ton père correctement. Amen, il faut mettre la peur de côté. Parle le langage de la foi. La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen, j'ai même envie de m'arrêter là pour te demander d'appeler. Est-ce que tu peux appeler quelque chose? Cette année, je dis, c'est la métamorphose. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Aïe, hey! Ah! Hey! Oh mon Dieu! Mon Dieu! Qui était la mère d'Isaac? Qui était la mère d'Isaac? Est-ce que Sarah était stérile ou pas? Est-ce que tu sais que la stérile enfante? Quand on est stérile et ménopausé en même temps, ça fait deux complications. Mais elle a accouché. En fait, métamorphose. Dieu est capable, par le langage de ta bouche, de changer radicalement les circonstances. Métamorphose. Appelle, appelle et appelle. Heureusement que ce que tu appelles ne dépend que de toi. Dieu n'a pas demandé de regarder à ton voisin pour appeler. Appelle ta part. Sois précis. Appelle ta part. Ta manière d'être calme m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Quelqu'un me dit, mais pasteur, je voulais appeler, mais le cas que je voulais poser là est déjà mort. Tout à l'heure, on a entendu l'homme de Dieu dire, on va dans la gorge de Satan pour faire sortir ce qui a été avalé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Même si Satan avait déjà avalé, tu dis vomis. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est vomis. Ton intelligence dit, mais non, il a avalé ça depuis longtemps. Hé, hey, quand il va vomir là, il va revivre. Hein? Il ne vomit pas mort. Oh, ton silence m'embête. Rakotabrendo katebre katabre. Satekebrondo kaba. Appelle. Appelle ces choses. Appelle-les. Appelle tes finances. Appelle-les. Appelle ton mariage. Appelle-les. Appelle. Appelle. Appelle ta prospérité. Rekotobre. Chandekebro kose. Rakarababo. Rakenderebo sata. Appelle, 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 appelle. Rekotobrea. Chete kebronde, elebo salababo, ekebro sateke, rakotoba elebo appel, rebo sakata, il appelle, il appelle, il appelle les choses, il appelle, il appelle, il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et makatabre, oh barabo, chate kebla, rende kebo, appelle par la foi. Appelle maintenant, appelle Rondo Kota, Reketeba, Sotoroba, Shendekeba, Rokotoba, Sakolotore, Rakondobe, Sakata, il appelle, j'appelle, robot, j'appelle, les connexions surnaturelles, j'appelle, la manifestation des divers miracles dans l'assemblée, j'appelle, dans le nom suprême de Jésus, j'appelle, Rekotoba. Elebo kosa katebre, reborondo robabo, reketeba, sorobo koribabore, rekondo robo sakata, oh rebaba, merci Jésus pour ta fidélité. Rababa, rokotobre, rando robo sakalababo, rababa, rebo sakata, rebo, à cet moment, donnez-moi la suite du texte. Regardez dans votre Bible. Qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Continuons. Espérant contre toute espérance. Ça veut dire que pendant que je parle, il y aura des événements en face
qui vont parler en langage contraire et qui auront tendance à décourager mes confessions, à fragiliser justement ma confiance en Dieu. Mais je dois apprendre à espérer contre toute espérance. Ça veut dire que souvent quand tu déclares, au lieu de voir ce que tu appelles, c'est le contraire. Alors je vais plus loin. Quand Abraham a commencé à s'appeler Abraham, sa femme n'avait pas encore la ménopause. Après, elle ne voit plus ses règles. On dit Abraham. Il dit Joutio. Sarah même regarde son mari. Il y a des moments comme ça, on a des boulots quand je m'arrive. Je me demande, mais est-ce que ça va vraiment marcher? Mais là, il faut espérer contre toute espérance. C'est-à-dire, tous les indicateurs naturels sont fermés. Et Dieu dit, est-ce que tu vas continuer d'appeler ce que tu as appelé? Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Regardez ce texte de Proverbe 3, verset 5. Nous entrons dans les profondeurs des délices divins. Il dit, la Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est-à-dire que quand tu confesses, souvent tu peux penser que Dieu va emprunter les voies que tu connais. Voyez-vous, quand tu déclares, tu dis, ouais, Dieu va me bénir. Et puis tout de suite, il y a un flash qui vient dans ton esprit. Seigneur, j'appelle 10 millions. Et puis tu regardes, tu dis, parce que faux, il est milliardaire, donc il va me donner. Il va me donner. Il va me donner. Ça, le flash commence à venir. C'est un oncle, c'est une tante, c'est un frère. Tu commences à penser, c'est normal, frère. On est passé par là. Et tu viens convaincu dans ton esprit que c'est Dieu qui t'a parlé. Oui, tu as vu le flash, c'est ton imagination, c'est ta sagesse. Tu viens là, il dit non, Dieu ne m'a pas dit la chose là. Tu es là, il faut continuer de confesser. Est-ce que tu vas en confesser ou pas? Voyez-vous, donc toutes les voies d'issue de secours sont fermées. Voyez-vous, c'est très important. Donc la sagesse, voyez-vous, sont tes raisonnements, ta manière de penser, de voir comment les choses vont être résolues. Non, Dieu ne va pas forcément passer par ça. Non, il a sa voie. Il a sa manière de faire. Amen. Il a sa manière de faire. Il ne faut pas oublier que les mathématiques du royaume ne sont pas les mêmes que les mathématiques contemporaines. Dans le royaume, on dit celui, vous voyez, 100 000 moins 10 000 égale 90 000. Dans le royaume des cieux, on dit 100 000 moins 10 000 de dîmes égale 180 000. Ton argent est multiplié par deux. Dieu n'agit pas de la même manière. Donc il y a une intelligence divine. Les choses de Dieu ne sont pas compréhensibles par l'intelligence humaine. Donc tu dois te soumettre à l'intelligence de Dieu. Regarde ce que la Bible dit dans Philippiens 4, verset 19. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Je veux dire à quelqu'un, écoute-moi bien, je ne lis pas la Bible, je veux te le dire. Et mon Dieu, celui avec qui je marche et que, avec lequel j'ai marché, je te le dis, mon Dieu que je sers, celui qui m'a sorti de 25 000, de 20 000 et de 15 000 de salaire et me donne aujourd'hui d'avoir des cotisations mensuelles de plus de vingtaine de millions par mois, que ce Dieu-là, que ce Dieu se souvienne de toi et pourvoie à tous tes besoins. Dans le nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Que la provision dans ta vie soit totale. Que ce Dieu pourvoie à tous tes besoins. Dans le nom suprême de Jésus. Je lève ma main vers le ciel. J'engage ma foi vers la tienne. En accord avec ta destinée. Je décrète, déclare et établis que tu ne manqueras de rien. Car le ciel agit en ta faveur, au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Les délices des nations du royaume sont ton partage, sont ta portion, sont ton héritage
Dans le nom suprême de Jésus. Assieds-toi un moment. Assieds-toi un moment. Voyez, la Bible dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Selon sa richesse. Selon sa richesse. Selon sa richesse. Donc, et c'est bien. Parce que s'il pourvoyait selon ta richesse, la provision serait illimitée. Alors, je vais plus loin. Si c'est de sa richesse qu'il pourvoira, pourquoi limites-tu ta requête? Vous avez compris ça? Donc, s'il va aller puiser dans sa richesse, donc il ne te permet pas de limiter tes requêtes. Il faut simplement que tu exprimes ton besoin avec foi. Dans tous les cas, vous voulez que j'aille encore plus loin? Pour ceux qui sont profonds, écoutez-moi attentivement. Je ne parle pas de superficialité charnelle. Je parle de profondeur avec Dieu. À un certain moment de ta vie, certains besoins naissent parce que c'est un indicateur que Dieu lui-même a ça en réserve pour toi. Quand tu es vraiment spirituel, il y a des besoins qui arrivent à un moment de ta vie. Tu n'y as jamais pensé, mais soudainement, le besoin monte profondément. C'est un indicateur que c'est pour toi. Parce que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Donc souvent, il peut t'amener à vouloir des choses qui correspondent au palier de ta saison. Et si tu refuses cette chose en ce palier, il va utiliser quelqu'un pour t'amener ça chez toi. Laisse-moi vous donner un témoignage que cet esprit me rappelle. Donc, comme j'avais reçu de Dieu l'appel à la royauté, à un certain moment, Dieu voulait faire basculer ma vie en autre palier et il voulait changer le décor. Vous savez, Dieu est terrible. Dieu est incroyable. La sagesse de Dieu est inimaginable. Alors, il a décidé. Il dit, ok, je vais te donner les accessoires de ta royauté. Il y a d'abord eu premièrement une rumeur. On a dit, oh, le révérend Wafford a fêté 100 milliards. J'étais aux États-Unis, je me rappelle comme si c'était hier. Et donc, pendant que je recevais le message, j'ai bien eu envie de démentir. Le Seigneur m'a dit, tu t'étais. Parce qu'il y a des rumeurs prophétiques qui se répandent pour annoncer. Il faut déjà que dans le monde spirituel, on entende ça. Et maintenant, ensuite, je suis revenu, quelqu'un est venu me voir avec une poche d'un montant de près de 80 quelques millions. Il m'a dit, écoute, j'ai à cœur que tu roules cette voiture. J'ai dit, je ne peux pas la rouler. Je ne peux pas la rouler. Il dit, écoute, c'est une question d'argent, il n'y a pas de problème. Je te la donne. Et bon, vraiment, homme de Dieu, roule cette voiture, ça te va bien. J'ai dit non. Il dit, ok. Voilà, vas-tu faire ça à tel prix? Mais donne-moi 5 millions maintenant, et puis prends-la. J'ai dit, tu dis quoi? Il dit, réfléchis bien. Il te laisse la voiture, roule là, je reviens demain. Comment vous allez l'imaginer? Neuf. Vous imaginez ça comment? C'est pas qu'il n'a pas de preneur, il a des preneurs. Mais il est convaincu dans son cœur que cet homme doit avoir cette voiture. Et il dit, il faut que tu prennes la voiture. Et c'est comme ça qu'en prenant la voiture, Dieu me dit après, je te donne là un, c'est un acte prophétique qui va affirmer ta royauté. C'est incroyable. C'est pas quelque chose que tu as demandé, c'est quelque chose qu'on t'a donné. Deuxième exemple. On est en train de construire. Quelqu'un m'offre un Range Rover. Comment on va prendre un Range Rover? Je ne peux pas ouvrir un Range Rover. Je vends la voiture, je mets dans les caisses de l'église et après ça, quelqu'un redonne encore. Même voiture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu veut que tu roules en Range Rover. Je roule, je roule, je roule, je roule, je roule. Et je dis, oh, ben, ça fait un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Je ne peux pas écouter le Saint-Esprit et dire change parce que je ne changerai pas. Je n'ai pas envie de changer. Et il touche quelqu'un d'autre et dit, bon, on change, on passe à la classe supérieure. Mais bac! Là, sans demander mon avis, on mange ensemble tout le temps, on se voit. Information cloisonnée, cachée. Jusqu'à ce que je reçois la voiture. Parce que si on a demandé mon avis, je peux dire non. Et je vais dire non. Je ne veux pas de mes bacs. Mais Dieu dit, en ce qui correspond à ta royauté, je ne te demande pas ton avis.
Parce que quand tu fais rindo makatarabo sakata, tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Je t'amène à prier selon mon intelligence. Rakondo makata rekoto makata. Que maintenant tous les indicateurs de ma royauté soient visibles. Peut-être c'est ce que tu dis. Et que toutes les voitures que je dois rouler en cette saison fassent un mouvement vers moi. Ce que tu ne peux pas dire par ton intelligence, je te fais dire ça en langue. Ah! Que le Seigneur bénisse ta vie. Que le Seigneur te comble. Que sa grâce se multiplie. Je continuerai cette partie demain. Je n'ai pas envie de courir. C'est tellement profond et tellement riche. Je n'ai pas envie de courir. Mais le Seigneur te donnera selon sa richesse. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et donc si c'est selon la richesse de Dieu, tu n'as pas à te plaindre. Ton mari n'a pas besoin d'être à l'église. Si c'est selon sa richesse, ton mari n'a pas besoin d'être à l'église. Il a sûrement besoin d'être en Dieu. Pourquoi tu te paniques? Chante normalement, ne dégame pas parce que tu as vu un gars qui passe. Reste calme. Ah! Maîtrise-toi selon sa richesse. Non, je suis sérieux. Parce qu'en fait, le vrai problème, c'est que nous posons les requêtes auprès du ciel et nous nous laissons distraire par nos yeux. Tes yeux peuvent te mentir. N'ayez pas les problèmes de Lot pour faire le choix de Sodome et Gomorre. Parce qu'à l'apparence, ça semble bon. Nous devons aller à un autre niveau. Dis encore pour moi, un autre niveau. Encore un autre niveau. Je vous donne un conseil, jeune dame. Nous, les hommes, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on est plus intéressé par la femme qui ne s'intéresse pas. Notez-le. Dès qu'une femme commence à manifester des caractères de temps en temps, elle fait fuir l'homme. Parce qu'elle manifeste des caractères de fille légère. Mais celle qui est toujours calme dans son coin et qui ne fait pas de bruit, elle attire l'attention. Donc l'attention n'est pas dans le fleque. Non. Je suis sérieux. C'est pas dedans. Sérieuse, tu viens à l'église, compris, tu pries bien, tu te mets à genoux, tu lèves les mains bien fermées, ça veut dire que tu fermes bien. Voilà, tu es dans ton coin calme. Et il existe encore des femmes comme ça de nos jours. Voilà, c'est pas les fleuques là. Que Dieu aide ta foi. Donne-moi le meilleur des amen. Dis encore amen. Que le Seigneur te comble. Que le Seigneur te bénisse, que sa main soit sur ta vie, que sa faveur t'accompagne, que cette saison soit une véritable saison de métamorphose à tous égards. Dans le nom suprême de Jésus, donne-moi trois bons amen. On est ensemble, frère. On est ensemble. On est ensemble. Acclame très fort pour Jésus. On est ensemble. Amen. On est ensemble. Alléluia. Amen. On est ensemble. Amen. Amen. Oui, ayez de l'enthousiasme, ayez de la joie, ayez de la foi. On aura le temps d'en parler. Je vais vous montrer dans la Bible comment est-ce que la foi s'opère par l'enthousiasme. Quand je regarde à l'assemblée, je vous regarde là, je peux savoir ceux qui ont la foi et qui n'ont pas. Il y a des gens qui se sont installés déjà et qui dorment sur le lit de la religion. Il faut que cette année tu te réveilles. Parce qu'il y a une attitude de foi, il y a une attitude religieuse. Faut que tu te... La foi, c'est de l'enthousiasme. Quand il n'y a pas ça, il n'y a pas de foi. On verra le temps, on dit donnant gloire à Dieu. C'est-à-dire, la foi, là, c'est la joie. La foi, c'est savoir chanter pendant que tout de toi te donne envie de pleurer. C'est savoir te réjouir. C'est savoir être heureux. Tu ne peux pas être dans la foi et puis non, la foi te rend heureux, joyeux, spontané, acclamant, sautant, dansant. C'est ça la foi. On aura le temps d'y revenir. Que Dieu bénisse ton âme et que Dieu bénisse ta vie. Amen, amen. Le révérend Comment et moi et certainement d'autres personnes sommes, et tout le monde dans cette assemblée, j'ose croire vous prier pour l'assemblée. On a prié aujourd'hui en accord pour que certaines personnes soient sauvées. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous cette nuit qui dit « Je veux donner ma vie à Jésus ». Lève ta main. Je vais prier pour toi. Je vais donner ma vie à Jésus. S'il vous plaît, restez debout. Aidez-moi pour ça, oui. Je vais donner ma vie à Jésus. Oui, viens.
On a prié pour ça. Bien. On va bien. Il y a quelqu'un d'autre? On vous a appelé par la foi. Bien. C'est un rendez-vous divin. C'est un rendez-vous divin. On vous a appelé. Il y a quelqu'un d'autre qui dit, je veux me réconcilier avec Jésus. Gloire à l'agneau. Alléluia. Et maintenant, je ne sais pas pourquoi, en te regardant, je me rappelle quand je me suis converti. Je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. Je me masturbais moins 3 fois par jour. J'étais passé mon temps dans l'alcool, dans la cigarette. Honnêtement, j'ai été en un jour délivré. Je ne sais pas pourquoi Dieu me ramène le témoignage de ma vie. L'homme que tu vois là, je suis passé par des choses terribles, mais Dieu m'a délivré. Si tu as confiance en Dieu cette nuit, si tu as confiance en Dieu cette nuit, quelque chose va se passer dans ta vie, tu ne vas jamais oublier. Jamais oublier. Il n'est pas trop tard pour croire. Il n'est jamais tard. Je ne sais pas pourquoi je reviens. Je ne te connais pas, mais j'ai ce témoignage pour toi. L'homme que tu vois en face, lève ta main vers le ciel, s'il te plaît. Ta main, tu as pas la main droite. Répète après moi ces paroles, monte ton cachet, s'il te plaît. Monte ton cachet, comme ça au moins. Voilà. Répète après moi ces paroles. Et toi qui me regardes en direct et qui es touché par ce message, si vous donnez ta vie au Seigneur, répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Mon cœur est touché. Aide-moi. Aide-moi, Jésus. Aide-moi. Que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. Mon Père, mon Créateur, change mon cœur. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Je veux vivre pour toi. Je veux te servir. Je veux faire ta volonté sur la terre des hommes. Pardonne-moi mon passé, mes péchés. Merci pour la vie nouvelle qui m'est accordée par toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Merci Seigneur pour ce miracle que tu as accompli dans les cœurs. Que ton nom soit glorifié. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Amen. Remettez-les ces fiches, remplissez-les. On en aura vraiment besoin. Alléluia. Gloire à l'agneau. Est-ce qu'on peut encore bénir le nom de Jésus? Amen, 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 amen. Alléluia. Eh bien, on va se tenir debout, on va lever les mains vers le ciel, nous sommes à la fin. On va continuer demain, donc on reviendra sur le point 4. Hein. Le point 4 est tellement dense, tellement profond, tellement important. On va voir le 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 probablement. Et on continuera dimanche comme je vous l'ai annoncé. Amen, amen, amen. Et pendant que j'étais en train de prier, il y a des directives que Dieu m'a donné pour dimanche. Et sûrement, on va transporter la série parce qu'il y a des points d'aujourd'hui qui reviendront encore dimanche. Et on va transporter vraiment la série pour la semaine qui suivra. Lève ta main vers le ciel. Et commence à rendre grâce à Dieu pour la parole que tu as entendue. Rends grâce à Dieu pour les prières qui ont été adressées devant de son trône. Remercie le Seigneur pour son extrême fidélité, pour sa grâce dans ta vie. Bénis ton Père, bénis ton Dieu. Rababo, sakata, brababa. Engage-toi devant le trône de la grâce à mettre en pratique la vérité. Dis à Dieu que tu pratiqueras cette vérité. Par sa grâce, tu mettras la parole en pratique. Par sa grâce, tu mettras la parole en pratique. Par sa grâce, tu mettras la parole en pratique par sa grâce. Élève ta voix, déclare-le devant le trône de la grâce. Tu mettras par sa grâce la parole en pratique. Tu pratiqueras cette parole par sa grâce pour vivre la plénitude de ce que le ciel t'a réservé dans le nom suprême de Jésus. Honneur et gloire, honneur et gloire, honneur et gloire à toi mon Père et mon Dieu. Honneur et gloire, que ton nom soit béni et glorifié au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Père, je veux te rendre grâce, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Quelle grâce avions-nous eu, Éternel, d'être ensemble à tes pieds. Merci pour Heure de Jéricho, merci pour tes serviteurs, le révérend Allah, le révérend Hervé Guaméné, le révérend Assoi. Béni sois-tu, Seigneur, pour tes révérends Franco Wan, pour tous les hommes de Dieu que nous avons. Je te rends grâce pour toute la grande famille connectée en direct. Oh, quel sublime moment, quel sublime moment. Je prie donc que tu donnes à chacun d'entre nous d'avoir la capacité de se mettre à part et d'exécuter la vérité, d'exécuter la parole, de confesser, d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, de mettre Dieu à l'épreuve en pratiquant les Écritures, afin que nous puissions voir dans nos familles des résultats éloquents au nom suprême de Jésus et vivre la métamorphose, que nous puissions espérer contre toute espérance, chacun d'entre nous. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Demain richement béni et comblé, on se dit à demain soir. Au revoir.